Ndombe, c'est vraiment une famille en fait. J'allais beaucoup marquer, mais j'ai essayé de geler. Il y avait beaucoup de buts que j'ai interdits même. Donc, j'ai dit merci à Dieu parce qu'il est le souverain. C'est lui qui m'a dit que je serais premier cette saison. Et j'ai obtempéré, je me suis engagé, j'ai décidé de foncer, malgré le petit coup bas que j'ai reçu. Mais vous savez, Dieu est toujours Dieu. Victorieux. Nous allons nous rencontrer à la Ligue 1. Moi, je pense que on n'a pas encore fini le championnat. C'est aujourd'hui qu'on a compris que Kouya est champion. Parce que je peux perdre le match prochain, même le match du AMK, je peux le perdre. J'aurai toujours un écart d'un point. Donc je suis champion. Malheureusement pour mon frère Max Moke, que j'aime beaucoup, lui il m'a dit qu'il préparait la Coupe du Congo. Moi je le soutiens. S'il va jouer vraiment la Coupe du Congo, le président Jeannot Binah nous sera derrière lui. Non, moi je n'ai pas assez de moyens pour aller là-bas. Et puis il ne faut pas chercher à avoir deux titres à la fois, c'est pas bon aussi. Ce que j'ai déjà, ce que Dieu m'a donné, je suis content de ça. Donc je bénis Dieu pour ça. Le bilan, je le ferai le dimanche. Si vous êtes là, après le match, je ferai le bilan. Parce que là, je ne saurais pas encore, il y a 6 points qui traînent encore là. Donc je le ferai après. Et c'est Kouya. Et puis en plus, vous m'étonnerez que vous ne connaissiez pas M. Jeannot Binah, non? C'est un petit prophète. Lui, quand il dit, ça se réalise.